Attention, durant le gameplay, j'ai décidé de tripoter mon micro un peu régulièrement, donc j'espère que ce son-là ne vous dérangera pas trop. Voilà, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Fredoche, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un gameplay tentative KVM sur Ghost. Donc je vous spoil pas le score, je vous dirai pas si j'ai réussi ou pas. J'essaierai juste différents épisodes avec différentes armes du coup. Donc là, j'étais avec la SA 805, j'avais silencieux, chargeur amélioré. Et en atout, j'avais tout ce qui permet de ne pas être entendu, d'entendre les gens, de viser vite, et pire. Donc, le gameplay est plutôt lent. Il y a pas mal de fois où je tire à des endroits un peu, vous allez pas comprendre, où je vise à des endroits, vous allez pas comprendre. C'est tout simplement parce que sur Ghost, déjà, on a du mal à voir les gens. Et il y a pas mal de moments où je savais qu'il y avait des gens qui campaient grâce au radar, ce genre de choses. Et où j'avais l'impression d'en voir. Et du coup, j'attends pas mal de temps parfois et je pré-shoot à des endroits où là, par exemple, c'était juste un reflet. Et vous allez voir, je vais avoir du mal à le comprendre et je vais pré-shoot plusieurs fois un peu dans le vent. Donc voilà, donc ensuite, juste un petit mot par rapport au gameplay. J'ai pas coupé les passages un petit peu lents où je cherche les gens et tout, parce qu'il faut savoir que c'est Ghost et enfin pire que les Call of Duty en général. C'est un jeu où les gens campent énormément dans certaines parties. Là, c'en était une, voilà, donc un bon exemple ici. Et du coup, j'ai voulu te laisser tout le gameplay, mais du coup, il y a des passages où je recherche un peu les ennemis, où je sais pas trop quoi faire. Et vous pouvez aussi voir que je bouge pas beaucoup mon viseur parce que je m'attends toujours à ce que quelqu'un soit en train de camper, et donc il faut que je reste tout le temps très attentif. Donc voilà. Donc ensuite, je voulais vous parler un peu de mon retour du coup sur la chaîne, donc de mon retour sur Call of Duty aussi. Faut savoir que j'ai beaucoup joué à Counter-Strike et que ces derniers temps j'ai décidé de me remettre à Call of Duty parce que ça me correspond plus, parce que Counter-Strike commence à me saouler. On va dire que j'ai 1200 heures de jeu à peu près dessus et donc je commence à avoir à peu près tout fait. Là, vous pouvez voir qu'il y a un mec juste en haut que j'ai mis du temps à voir. Et donc voilà, du coup je me suis décidé de me remettre à Call of Duty et j'ai voulu tester Ghost et Advanced Warfare. Même si je sais qu'ils sont pas appréciés, je ne les avais jamais essayés de moi-même et j'avais envie de me faire mon idée. Et alors Ghost est typiquement le jeu parfait pour moi, à savoir que la durée de vie me correspond. J'ai souvent joué en hardcore et du coup j'aime beaucoup ça. Et c'est un jeu ouais, qui est vraiment parfait pour moi. Ensuite, Advanced Warfare, je l'ai trouvé assez compliqué à jouer parce que les jumps sont tellement rapides que c'est vrai que suivre quelqu'un qui jump, c'est plutôt compliqué. Et sinon, j'avais déjà donc les Black Ops, les 3 Black Ops, Black Ops 1, 2 et 3, Modern Warfare 3, Call of Duty 4. Et c'est à peu près tout. Du coup, si jamais vous avez envie que je fasse des vidéos sur certains jeux, parce que je sais que ce gameplay sur Ghost risque de ne pas plaire à certaines personnes parce que Ghost n'est pas un jeu forcément apprécié. Du coup, si vous avez envie de voir des vidéos sur Black Ops 3, ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire. Un autre type de vidéo que je pense essayer bientôt, vous me direz si effectivement ça vous intéresse, c'est l'opening de caisse, que ce soit sur Black Ops 3 ou Advanced Warfare. Je pense que ça peut être intéressant, même si ça a été fait et refait. Il y a toujours plein d'armes que je n'ai pas et que j'aimerais bien avoir, notamment la Speakeasy sur Advanced Warfare par exemple, ou tester un peu toutes les armes sur Black Ops 3, parce que sur Black Ops 3 elles sont extrêmement dures à avoir. Et donc voilà, donc si ce genre de truc vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Cette vidéo est surtout là pour voir s'il reste des gens actifs sur ma chaîne au niveau Call of Duty, parce que je sais que les vidéos CSGO n'ont pas beaucoup marché, et du coup je voulais savoir si c'était surtout dû au fait que les gens sont devenus plus grands et ont passé l'époque de la PS Vita, surtout qu'en plus l'application a été supprimée, ou alors si c'était aussi dû au fait que mon contenu était absolument plus du Call of Duty. Donc c'est des questions que je me posais, et donc ce gameplay va me permettre de faire un petit test et de voir un peu les réactions. Donc là, vous pouvez voir que je suis en série de 13 kills et qu'il restait que 14 kills à faire pour gagner la game. Donc déjà, je savais que je partais mal, mais il faut savoir que les teams sont parfois très mauvaises et du coup il y avait un petit peu d'espoir encore que je l'ai. Mais vous allez voir tout de suite quand je parle de camp à quoi je fais référence, vous allez voir. Au passage, ce tir, j'ai pas compris comment il a touché. Voilà, tout de suite, voilà. Donc je suis mort à 17 kills par ça. Donc vous comprenez pourquoi
Faire des séries sur ce jeu, c'est compliqué. Et encore, je tombais dans une partie très cool parce que les gens campaient, mais étaient très mauvais. Alors que ça m'est déjà arrivé, pardon, de tomber sur des parties où les gens campaient et en plus ils étaient bons à camper. Donc c'était coin de porte aux pompes. Enfin, ceux qui ont joué à Ghost connaissent un peu tout ça. Donc voilà, donc je vais finir sur un score de 20 à 3. Maintenant, je peux vous le dire, maintenant que le truc est fini. Donc je suis un peu déçu, mais à la fois c'est. Je fais régulièrement des bons scores comme ça, mais je me fais tuer un peu bêtement par des campeurs comme vous avez pu le voir. Donc voilà, donc si jamais les gameplays quand même vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Le gameplay est fini, là il reste 2 kills. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et à la fois prochaine, salut!